ces robots. On dirait presque qu'ils lui appartiennent. Et il a fermé cette putain de porte. Petrov s'est enfui avec une lumisphère, source d'énergie portable qui alimente le système de verrouillage d'urgence. Il la faut pour ouvrir cette porte. J'en trouverai une autre. Mais l'unisphère, il doit y en avoir plusieurs ici, non? Il faut faire vite. Sinon Petrov s'enfuira du secteur et nous devrons retrouver sa trace. Charles, c'est quoi ce boulot dans une cage en verre là-dessous? Ce serait pas le célèbre générateur PEC-4? Si, en effet. Le PEC-4 est un générateur fonctionnant à base de polymères végétaux. Il s'agit d'un modèle expérimental qui sera vital pour notre programme de conquête des confins du système solaire. Toujours que je la porte comme ça? Les lumisphères sont par nature instables. Impossible d'en ranger une dans votre sac à dos avec vos autres objets. Le risque de déstructuration serait trop important. Comme une explosion? Pas forcément. Mais la lumisphère cesserait de fonctionner. Donc je dois la transporter comme ça, pigée. Cette lumisphère est résistante. Vous pouvez la lâcher, ou même l'acheter par terre. Il ne lui arrivera rien.
la voix de Petrov. J'espère que la cervelle de ce connard n'est pas éparpillée par terre. Sauvegarde en cours. Alors, que choisissez-vous, Major ? Arme ou capacité ? On dirait qu'il y a eu une brèche du confinement au service des algues, et une fuite de matière expérimentale. Ce qui est excellent pour nous. On me demande souvent comment... Du calme.
Voici la Luna, un genre de serrure. Elle s'ouvrira quand il y aura des échantillons de sol lunaire à tous les emplacements. Quelle bande de maniaques! Du coup, je sais ce qu'il me reste à faire. Étrange chanson, mais j'aime bien la voix de cette fille. C'est sur Radio Avenir? En effet, le professeur Lebedev de l'Académie des Conséquences a mis au point un algorithme non linéaire basé sur les principes des mathématiques quantiques non commutatives. À qui parlez-vous? Je vais tenter de vous l'expliquer plus simplement. L'Académie des Conséquences a trouvé comment calculer les ondes radio musicales de l'avenir. Mais notez qu'elle ne les capte pas vraiment, ce n'est pas une machine temporelle. Chouette! Eh bien, qu'avons-nous là? J'en ai un. Ah, le voilà. Te revoilà, mon mignon. Tu m'as tellement manqué. Tu as fini par larguer ce maudit gant. N'y compte pas. J'adore quand tu te mets en colère. Oui, oui, crie-moi dessus, punis-moi. J'ai été vilaine, j'ai encore massacré un sale type. Quoi? T'as encore tué quelqu'un? Espèce de monstre. Mais ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas senti en moi. Il fallait que je me défoule. Assez. Ça n'arrêtera donc jamais. Pas la peine de te mettre dans tous tes états pour si peu, trésor. J'ai un cadeau pour toi. Tu vas l'adorer, promis. Je rêve de te débrancher. Mais je peux pas le faire sans ton aide, alors. Charles, pourquoi la borne de réparation intéresse Petrov? Pourquoi ce dingue veut prendre le contrôle de Nora? Il n'a pas besoin d'armes, si? Ces robots se battent pour lui. Ce traître a compris que face à des robots hostiles, les employés ont tendance à se défendre. Et que les soldats, gardant le site, chercheront toujours à se procurer de meilleures armes. Il a dû avoir peur que quelqu'un le trouve et l'abatte sans sommation, comme le chien qu'il est. Oui, c'est possible. Quoi qu'il en soit, Petrov a réussi à mettre la main sur une borne de réparation. Mais les algorithmes de Nora ont été corrompus d'une manière abjecte. En voilà un autre. Et voilà, ça marche, on dirait. Cet endroit est immense. Ça sent l'influence de Sechenov à plein nez. Alors où on est? Voici les archives des semences, le cœur du complexe Vavilov. Des graines de toutes sortes de plantes sont stockées ici, afin de pouvoir être plus tard cultivées sur Mars ou sur la Lune. Et cette expérience unique risque fort d'être détruite à tout jamais.
putain de méchoui. C'est sûr que cela a bien craqué, Major. La ferme, Charles, j'ai pas le temps pour ça. Allez, anomalie microclimatique détectée dans la banque des semences. Intégrité des échantillons pour premiers. Thank you.
Thank you.
suivre.
La pause déjeuner pour les membres du personnel étant un peu plus crucial commence maintenant. Les autres doivent rester à leur poste. Thank you.
Sauvegarde en cours. Alors, que choisissez-vous, Major ?
Alors, que choisissez-vous, Major? C'est ça qu'il me faut! C'est que vous êtes là, Petrov. Vous n'irez nulle part. Je vous donne 10 secondes pour vous rendre. D'après les relevés biométriques, il s'agit de Petrov. Sérieux? Putain de méchoui. Vous avez raison. C'est vraiment lui. Je me doutais que ça finirait comme ça. Sorcier, ici P3, à vous. Ici Sorcier. Tu as trouvé Petrov, mon garçon? J'ai trouvé son corps. Il a été décapité. Un chariot élévateur a réduit son crâne en bouillie. Bon sang, il connaissait les codes qui m'auraient permis de mettre un terme à ce cauchemar. Désolé, docteur Sechenov. Je suis arrivé trop tard. Alors il faudra résoudre le problème d'une autre manière. Avait-il des anneaux sur lui? Deux, en or? Non, monsieur. Juste une lumisphère. Bien compris. Je veux que tu fasses ton rapport au VDNH sans attendre, P3. Nous avons de plus gros problèmes que Petrov. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Stockhausen te débriefera au VDNH. Ne traîne pas, chaque minute compte. C'est bien clair, mon garçon? 5 sur 5, sorcier. J'y vais.
Erreur. Les relevés microclimatiques internes du générateur ne sont pas optimum. Production d'électricité impossible. L'énergie des lumisphères n'est pas suffisante pour alimenter la porte principale. Mais le fait de les installer a activé un système fournissant des polymères spéciaux au boulot. Le système de survie a quatre fonctions principales. Maintenir une température optimale, éliminer les insectes... En d'autres termes, quatre colonnes, quatre canistères.